Oui, de gros incompétents. Et en plus, ce sont des hommes que j'ai formés moi. Messieurs, bonjour. Vous allez me revoir votre rapport. Dans la dernière page, vous stipulez que la cible a été refroidie. Alors je voudrais bien savoir pourquoi le service général désapprouve totalement vos dires. La cible a été repérée la semaine dernière, en pleine ville. Même pas à Moshé. Remarque, ça te laisse une seconde chance, puisqu'on voulait vivant. Je ne veux pas savoir comment, je ne veux pas savoir combien, je veux juste que la cible nous soit rapportée et sans aucune égratignure, c'est clair? Avec le nouveau président, notre service est à deux doigts de fermer ses portes. Alors si en plus nous permettons des erreurs de cette taille... Bon, Stéphane est déjà briefé sur la mission. Vous avez 24 heures avant ma réunion avec le ministre de la Défense. Bien, monsieur. À bientôt. Au revoir. Je comprends pas ce qui s'est passé. T'as vu un train de... Bah, ça sert à rien de se demander pourquoi même. Bon, on sait qu'il a rendez-vous au restaurant Le Bloc. Je crois que la mort lui a redonné le coup de vie. T'as déjà vu? Non, je suis toujours resté hors de portée. Tiens, tu vas pouvoir réparer ton erreur. T'as de quoi être bien habillé? Oui, j'ai ça. Bah, ça tombe bien. C'est toi son rendez-vous au restaurant. Allez, à dans une heure sur place. Try to hide inside. As you watch inside my mind, you try to hide, but you can't run. I always hide behind, because we know the pain. It's running all the way. One thing cooks and one for all. We know the pain. It's running on the Steph, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Aucune intervention tant que je ne donne pas l'ordre. On va essayer de se le faire calmement. Tu manques, tu ne le flingues pas, ou qu'il s'échappe pas. Je bouge pas de là. Tout est ok, patron. Il entre dans le restaurant.
Il dit Snimi. Puis il reste 17 minutes. Il y a beau 12 vamis. Davai. Comment allez-vous? Bien, merci. Monsieur Vax, je présume? En effet. Je suppose que vous êtes donc monsieur. Rhum? Rob? Rhum. Désolé d'avoir écorché votre nom. C'est de quelle origine? Allemande. Autrichienne. Pourtant, vous n'avez pas l'accent. Vous n'avez pourtant pas d'accent russe, à ce qu'il me semble. Alors parlez-moi de ce qui vous amène ici. Nous étions censés parler affaires, non pas de nos origines. Effectivement. Je suis à la recherche d'une personne qui pourrait m'aider à inonder le marché d'une certaine substance. Et je pense que vous êtes la personne la plus appropriée pour m'aider. Semblerait bien, oui. De quelle provenance? Laquelle vous arrangerait le plus? Oh, vous savez, je peux me débrouiller pour la faire entrer de n'importe où. Du moment que ce n'est pas celle qui est déjà sous scellé. On veut me prendre pour un idiot! Non seulement on sait pas abattre une première fois, mais en plus on revient à la charge. Vous êtes complètement con, je crois. On dirait que Monsieur Rhum ne comprend pas ce qu'on veut dire. Arrêtez de me chercher des poux, si vous voulez être encore en bon état demain. Mal chier. Intervention immédiate! Steph, il est passé par la porte de derrière. Amène-moi une arme, il m'a désarmé. Ok. Et passe de l'autre côté de l'hôtel. Ok. Allô, vite gâteau, oui. Oui, bidem, Zabbi. Steph, t'es où? C'est bon, je le vois. Allez sur lui. Thank you.
Messieurs, je vous prierai de bien vouloir leur remettre vos armes. Kirill, Brassai Arouge. Ça devient ennuyeux de gagner à chaque fois. Ça doit l'être autant que de perdre à tous les coups, non? Il y a des occasions où il vaut mieux perdre que gagner, Vax. Très juste. Cela dit, je crois qu'on va rafler la mise encore une fois. Alors inclinez-vous et faisant comme si rien ne s'était passé. Parce que moi j'ai autre chose à faire que de passer mon temps à faire disparaître des cadavres! Formiez une bonne équipe avec votre collègue. J'espère juste qu'il pourra remarcher. Tiens, ils sont contre. Oh, vous me faites peur avec ce regard de méchant. Hein? Je vous en prie, armez votre pistolet, faites tout. Mais il me semble que je n'ai de peur à avoir de personne. Est-ce que votre patron vous a demandé de me ramener sans une seule égratignure, non? Vous savez, faire des affaires, c'est avant tout savoir s'entourer des bonnes personnes. Et lorsque certaines se mettent sur votre chemin, faut savoir les en écarter. Désolé, mais vous êtes sur mon chemin. Vous pouvez tirer jusqu'à demain, hein. Ce sont des balles à blanc. Soyez pas déçus. C'est pas trop tôt. Désolé, chef. Désolé. Mais le faux sang m'a englué la main. J'arrivais pas à prendre mon arme. Oui, Central. On a un agent à terre. Oui, merci.